déjà, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2020 puisque c'est la première vidéo de l'année et vaut mieux tard que jamais. J'espère que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, j'espère pouvoir être plus régulière cette année et sans plus attendre, on va attaquer le vif du sujet avec cette première vidéo qui sera une revue sur la marque Kentucky. Donc Kentucky, c'est une marque de horseware qui a été créée en 2011, donc ils sont connus pour leurs produits en mouton et c'est justement ces produits en mouton qui font la différence par rapport aux autres marques puisque ces produits sont entièrement en mouton synthétique et tous les produits sont en synthétique, il n'y a rien qui provient d'origine animale. Dans une première partie, je vais vous parler des produits que je possède et ensuite dans une deuxième, je finirai par vous donner mon avis général de la marque. Donc pour les produits que je possède, je vais diviser tout ça en trois catégories. Celles dont je suis vraiment contente et que je ne regrette pas l'achat. La deuxième, ceux où je suis un petit peu mitigée. Et la troisième, celui que je considère comme une vaste blague. Parmi les produits dont je suis satisfaite, il y a en premier temps le licol. Donc c'est un licol qui va être tout mouton. Il existe en noir, blanc et marron. En trois tailles, donc poney, cob et full, donc plume, elle l'a en taille cob, elle fait à peu près 1m50 et il lui va parfaitement. Donc il est au prix de 89€ et c'est un petit peu ce licol qui a relancé la mode de la moumoute. Alors, pour ma part, ce licol, je sais que je l'ai payé cher pour un licol et qu'on a tout aussi bien moins cher. Mais ce qui m'a vraiment attirée chez Slicol, c'est vraiment le côté fluffy que je retrouve pas forcément chez les autres copies. J'ai très peu de magasins d'équitation chez moi. Et c'est vrai que j'avais pas envie d'acheter un Slicol mouton qui serait tout plat. Et du coup, j'ai préféré directement partir sur la marque que de me retrouver avec un Slicol finalement qui ne me plaît pas. Je ne regrette pas du tout cet achat puisque je n'ai pas trouvé d'autres marques avec cet aspect aussi fluffy. La qualité du mouton est très bien. Alors, je ne le mets pas en été parce qu'il fait trop chaud. Même si le mouton est quand même respirant, ça me gêne un petit peu de mettre de la moumoute en été. Mais c'est vrai que pour le reste de l'année, j'en suis vraiment très contente. Je m'en sers pour les transports. Il se lave vraiment très bien. Donc, c'est un investissement que je regrette pas. Même si je sais que je l'ai payé cher, j'en suis quand même très contente. Deuxième produit dont je suis vraiment très contente, c'est la couverture de présentation Kentucky. Alors elle existe en plusieurs couleurs, en bleu, bordeaux, noir et il me semble qu'elle est en gris je crois, mais je ne suis pas sûre. Donc pour ma part, je l'ai pris en taille 130 et elle va super bien à plume. Donc pareil, c'est un produit qui est à 189€. Je sais que je l'ai payé cher, mais j'ai pas retrouvé d'autres dupes et j'en suis vraiment contente. Donc premièrement, déjà, la couverture est vraiment de très bonne qualité. Le tissu utilisé est très épais, il est vraiment bien. Les coutures sont nickel, les finitions. Pareil, le petit côté mouton est nickel. Elle s'entretient bien. À l'intérieur, c'est des poils synthétiques, donc elle fait 166 grammes. Donc, c'est une couverture de box, mais moi, je m'en sers comme séchante et elle fait vraiment bien le job. Et le gros plus qu'elle a, donc la première fois que je m'en suis servie, c'était en concours. C'était un déluge, je l'ai mise sur plume et franchement, ça a mis très longtemps avant de traverser. Bon, elle n'est pas du tout imperméable, hein, mais pour le coup, j'ai vraiment été surprise et elle sèche vraiment très rapidement. Donc, certes, elle est très chère, mais on a un produit vraiment avec de super finitions et dont la qualité est top. Ce qui me pose problème, c'est l'appellation poil synthétique de lapin. C'est l'appellation qui me pose problème puisqu'on ne peut pas parler de poil de lapin. D'ailleurs, j'aime pas du tout cette appellation dans les produits Kentucky. Ce n'est pas des poils de lapin synthétiques puisque ce n'est pas du lapin, c'est des poils synthétiques. Bon, si on va chipoter, mais dans l'ensemble, même si je l'ai payé cher, je suis vraiment très contente et je ne regrette pas mon achat. Voilà des deux produits qui me divisent. Donc, ce sont la sangle et la bavette en mouton. Alors, ce sont des produits que j'ai eu par le biais d'Equisense puisque je possède le capteur. Sinon, je pense pas que de moi-même, je les aurais achetés. Et puis, vous allez voir que c'est des produits quand même dont je suis pas totalement convaincue. Donc, je dirais que pour la sangle, on va commencer. Donc, elle existe en marron ou en noir. Je l'ai en 120. Donc, ça va à plume. Bon, c'est plume, elle fait du 115, mais ça va quand même. Ça taille juste comme il faut. Hein. C'est les gens qui disent ça taille petit. Non, c'est pas vrai. Ça taille normalement. Ça correspond à un 120.
Alors, au niveau du mouton, de la qualité du mouton, je n'ai absolument rien à dire. Le mouton est fluffy, il est très facile d'entretien. Alors, moi, je lave à la main, je ne passe pas mes produits en machine. Le mouton ne bouge pas, ça enlève très bien la saleté parce que ceux qui me suivent sur Instagram ont pu constater l'état des sangles en mouton après que Plume et son joli ventre plein de pipi soient passés par là. La sangle revient très bien, elle est toujours bien revenue, elle ne s'est pas du tout abîmée, enfin le mouton n'est pas du tout abîmé et il sèche très vite. De plus, je dirais qu'il est très respirant parce que ça m'est arrivé de me servir de cette sangle en été parce que j'avais oublié l'autre et Plume n'a pas du tout transpiré et pourtant il faisait chaud. Bon après, j'évite, mais voilà, ça a vraiment très bien. Par contre, ce qui me pose problème dans cette sangle, premièrement, c'est qu'elle n'est pas anatomique du tout. Et c'est vrai que pour ce prix-là, ben moi je m'attends à quelque chose d'un peu anatomique. Voilà. Plume en plus c'est un cheval rond et court et du coup pour moi par rapport pour correctement la sceller il me faut quand même une sangle qui va dégager les épaules et là c'est pas trop ça et c'est vrai que ça me gêne. Deuxième point, ça va être la finition de la sangle. On est sur quelque chose de basique, de bas de gamme, c'est du tissu tout simple, tout basique. Ça ressemble à. Il n'y a pas spécialement de finition, de qualité particulière, c'est vraiment bas de gamme. Et pour 90 euros, parce que bon, moi je ne l'ai pas eu à 90 euros, donc pour le prix que je l'ai payé en promo, je l'ai eu à 60 euros, franchement ça va. Mais pour 90 euros, ça fait quand même mal d'avoir une sangle avec si peu de finition, aucun savoir-faire dessus, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment décevant. Et c'est pour ça, voilà, que mon avis est mitigé, parce que je pense qu'effectivement, en cherchant un petit peu, pouvez trouver des sangles tout aussi bien et moins chères, surtout si c'est pour un aspect esthétique. Après, si votre cheval a tendance à blesser, effectivement, cette sangle peut être très intéressante parce que le mouton est de qualité, même si la finition de la sangle en elle-même, je la trouve pas transcendante. J'ai remis mon piercing droit parce qu'il était de travers. Et du coup, on passe donc au deuxième produit, donc à savoir la bavette Kentucky. Donc pareil, c'est une Equisense, Kentucky by Equisense, je ne sais pas comment ils disent. Alors cette bavette, je ne l'ai pas payée. Elle m'a été offerte quand j'ai acheté mon capteur, c'était l'opération Back to School. Donc évidemment, j'ai sauté dessus. Et Dieu merci que je n'ai pas payé cette bavette. Pour moi, c'est une déception totale. Alors, elle existe en marron. Je ne sais pas si elle existe en noir. Et je l'ai prise en 120. Pareil, ça taille bien. Au niveau des avantages, c'est exactement les mêmes que je vous ai dit que pour la sangle. Le mouton, il n'y a rien à dire dessus. Par contre, au niveau des défauts, et là, il y en a réellement plein. Premièrement, cette sangle est dite anatomique. Elle n'est pas du tout pour moi. Vraiment, elle ne dégage pas du tout les épaules. Deuxième point, il n'y a aucune finition. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce prix-là, on commence à avoir des. Enfin, c'est un prix de sangle de luxe. Clairement, c'est du luxe. Et quand ce qui est intéressant chez le luxe, ce qui est attrayant chez le luxe, c'est justement parce qu'il y a un savoir-faire sur le produit. Là, il n'y en a aucun. C'est un bout de plastique avec quelques coutures comparables à celles de Decathlon. Le design est comparable à Decathlon. Le cuir synthétique est affreux, c'est-à-dire qu'il y a du cuir synthétique qui est pas trop mal, par exemple, celui chez Tecna, c'est vrai que j'aime beaucoup le cuir synthétique de Tecna. Mais là, celui-là, ça fait le cuir synthétique de Wintec que je trouve ignoble. Et là, c'est ignoble. Voilà, le cuir synthétique est ignoble. C'est un gros bloc, c'est pas souple. Enfin, par rapport au prix, vous avez des sangles qui ont un réel savoir-faire, qui sont vraiment bien. Même beaucoup moins cher, vous avez la bavette signature Antares qui est d'un cuir exceptionnel. Et à part vraiment, voilà, de prendre la bavette parce que votre cheval blesse, c'est juste une question d'esthétique. Vraiment, prenez une bavette beaucoup moins chère. Vous aurez mieux en mettant un mouton le mieux dessus. Ça sera beaucoup mieux. Parce que celle-ci, pour moi, elle apporte rien de concret. Après, que ce soit les deux sangles, ce sont quand même des produits qui ne viennent pas d'origine animale. Alors après, reste à voir l'impact écologique. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il faut quand même. Le cuir, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Et donc c'est quand même bien que des marques se penchent sur la question. Mais pour moi, le prix est encore trop cher par rapport à la qualité proposée. On a des prix pour moi qui impliqueraient un certain savoir-faire. Et là, on voit que c'est un produit fait d'usine à la chaîne. Et ce qu'on va surtout payer, je pense, c'est la qualité du mouton, mais aussi le prestige de la marque parce qu'elle sponsorise des cavaliers internationaux. Le dernier produit, donc, qui pour moi est une vaste blague, donc c'est le jouet Licorne Kentucky. Alors, je l'ai vendu, je ne l'ai pas gardé. Il m'a été offert avec ma couverture. Sinon, de moi-même, de toute façon, je ne l'aurais pas acheté. Il est à 36 euros.
passez votre chemin. C'est une grosse blague. Je ne vois même pas comment on peut vendre 36 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est... Alors, déjà, un jouet pour chevaux. Moi, la mienne, elle n'est pas joueuse de base. Hein. Elle a mis 3 semaines avant de s'en rendre compte qu'il était dans son box. Quand elle s'en est aperçue, elle a regardé en mode, c'est quoi ça? Voilà, un air méprisant, en mode, casse, dégage de mon box ce truc. Franchement, il y a une bouteille qui est dedans. Donc, si votre... Enfin, moi, plus elle a pas peur des crissements de bouteille. Il y a certains chevaux qui ont peur des crissements de bouteille. Et je pense que s'ils mordent dans le jouet, qu'ils entendent un crissement de bouteille, ça ne va pas spécialement leur faire plaisir. Alors, le dessus, c'est vrai qu'il peut être agréable à mâcher, je pense, pour un poulain. Mais pour un cheval qui n'est pas joueur, qui a tendance à pas mâchouiller. Puis même de lui-même, je pense pas que le cheval ira mâchouiller. Comme jouet pour chien, ma chienne a un peu joué avec, mais il n'a pas plus emballé que ça. Voilà, mais je pense que si vous avez un chien joueur, ça peut être pas mal plus pour un chien que pour un cheval. Mais c'est quand même à 36 euros et c'est beaucoup trop cher parce que vous avez clairement des jouets 2 fois moins chers qui feront un peu plus leur effet. La marque Kentucky. Alors, comme je vous ai dit, mon avis sur cette marque est assez mitigé parce que d'un côté, on a quand même une sacrée innovation sur le mouton synthétique. Moi, j'ai connu le temps très dur du mouton synthétique où c'était... affreux au toucher, infect à nettoyer, pas pratique. Là, on est vraiment sur un mouton qui est exceptionnel, qui est limite mieux que du vrai mouton. Après, reste à voir l'impact écologique que ça, mais c'est vrai que déjà, on est sur un produit qui est mieux. Et si vous avez des chevaux qui sont fragiles, honnêtement, vous pouvez vraiment foncer chez cette marque. Après, en termes de finition et de qualité, pour moi, il n'y a pas vraiment de savoir-faire. On va surtout payer la marque et le prestige associé à cette marque. Et faire des économies, se sacrifier pendant des mois pour se payer quelque chose, à part vraiment d'avoir un gros coup de cœur, pour moi, ça vaut pas trop le coup parce qu'on peut retrouver ce savoir-faire ailleurs et beaucoup moins cher. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.